Que je vis aux États-Unis. J'adore chanter. Et aussi regarder des films avec ma meilleure amie San. Mais au fond de moi, ce que j'aime le plus, c'est mon yaourt glacé fait maison. Je fais des vlogs sur tout ce qui m'intéresse. J'adore me balader dans le parc. Peu importe, je vais dans une école géniale. J'ai été élue reine de beauté 3 fois d'affilée. Et mon voisin, c'est The Rock. Je plaisante. J'ai vraiment tout ce dont une fille a besoin. Sauf que ce serait cool d'avoir encore plus d'abonnés. Ma vie est absolument parfaite. Quoi? On déménage? On retourne aux Pays-Bas? Le pays des sabots, des moulins à vent et de la bouffe dégueu? Pour pas que tu m'oublies. Heureusement là-bas aussi sur internet. On se fera des FaceTime tous les jours. Bienvenue aux Pays-Bas. Premier jour de cours. Vous saviez que les États-Unis font 224 fois la taille des Pays-Bas? Tout est réduit ici. Faut s'habituer. Faut donc prendre les choses telles qu'elles sont. Un petit pays est petit. Faut faire avec ce qu'on a. Nouveau pays égale nouveaux amis. J'ai un plan très simple en 3 étapes. 1. Portez une super tenue pour faire bonne impression. 2. Apportez à manger. Et 3. Faire une entrée remarquable. Attention aux glandes. J'arrive. Je m'appelle Julia. Je viens d'arriver. Magenta. Elle est depuis longtemps. Tu veux un gâteau? Tu les as fait toi-même? Apporter à manger, c'est la règle numéro 2. Tu es du genre aimer suivre les règles? C'est quoi la numéro 1? Porter une tenue qui fera bonne impression. C'est un troupeau de bisons? Non, eux, c'est le clan des sportifs. Le clan des sportifs? 98% de muscles et 2% de cerveau. Tu viens de quelle planète, toi? Des États-Unis. Ok, alors, je vais t'expliquer. Bienvenue à Oogland, monde des groupuscules et de la bien-pensance. Dans ce lycée, tout le monde rejoint un groupe. Un clan. Il y a le clan du selfie, le clan des sportifs, le clan des rappeurs,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, ben niet eens 19. Pensioen op mijn 17. New York, geen Maybelline. Wie zijn mijn hele team? Le clan, nouvelle technologie. C'est un clan, ça? Ricardo, petit génie accro à l'informatique et aux lettres. C'est un clan à lui tout seul. Le clan des vlogueurs. Le clan des cavalières, aussi connu sous le nom de clan French Manicure. Le clan Playback. Et le pire de tous, le clan VIP. Claire Agdorn, la Beyoncé du lycée, qui n'a qu'un but dans la vie, être vénérée. Pour ça, elle a deux esclaves. Jocelyne, une cruche qui ne rêve que de remporter un concours de beauté. Et Esme, qui s'assure que les règles VIP soient appliquées à la lettre. Dis, Magenta, t'essaies d'entrer en contact avec de vrais humains? Parle à mon doigt. Je crois qu'on en a une autre, les filles. Une FSC. Une quoi? Une fille sans clan. Elle a les bonnes mensurations, elle pourrait être VIP. Ou pas. Ok, ma chérie, je vais te poser une série de questions pour voir si tu mérites de nous rejoindre. Quoi? Dis-moi, t'as un scooter? Non. Mais j'avais une voiture aux États-Unis. T'as déjà participé à un concours de beauté? Ouais, j'ai été reine de mon école 3 années de suite. Super. Dans combien d'années tu penses atteindre les 1000 followers? En fait, j'en ai déjà plus de 5000. C'est quoi ta chanson préférée de Toon, Thiago, Lucas et Jamie? C'est qui? J'y crois pas. C'est la lune. La lumière. La lumière? T'es sérieuse? Ils forment le groupe For You. Tu les connais pas? Sérieux? Le boys band? Je crois en avoir assez entendu. Tu seras donc une Minus. Une Minus? C'est le club des losers. Les règles. Règle numéro 1, tu ne marches pas au milieu des couloirs. Règle numéro 2, à la cantine, tu marches par terre. Comment ça? Règle numéro 3, t'avise pas de regarder ce qui est à clair. Robin. Ok, c'était pas vraiment l'accueil que j'avais imaginé. Salut, je cherche le... Est-ce que tu sais où se trouve... Je cherche la classe de biologie. Est-ce que tu sais où ça se trouve? Hein? C'est pour te zénifier? Ouais. Autant démarrer la journée en forme. Julia. Nick. T'es un trésor bien caché. Hein? C'est écrit là. Ah ouais, j'écris des chansons. C'est pour une chanson. Je m'en doutais. La biologie? Non, c'est une chanson d'amour. Non, je te demandais, où est le cours de biologie? Ah, salle 166B. Ok. Ok. Merci. De rien. Une Minus, toi? Ouais. Et pourtant, j'avais ma tenue magique. S'il te plaît, reviens vivre avec nous. Convainc mes parents et je te donne toute ma collection de vernis. Tes 74 vernis? Et le sèche-ongles. Tu me manques. Toi aussi. Et voici un autre vlog à Oogland. C'est reparti pour une nouvelle année.
Au programme, nouvelles opportunités, nouvelles pertes de temps, nouveaux devoirs et nouveaux souffres-douleurs. C'est quoi ce truc? Sur ce, ciao! Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle année scolaire. Je suis particulièrement fier d'accueillir cette année une élève spéciale. Une perle qui nous vient d'outre-mer, Julia Martetz. Elle nous vient des États-Unis, où elle était la première en tout. Elle tient un vlog à succès et a la chance d'avoir une voix extraordinaire. Don't you say a thing or I will lose my nerve. Reaching deep within, I'll risk the burn. This baby, sometimes the world's trois compliments du proviseur en une minute. Tu l'as soudoyé? Tu chantes vraiment bien. Qui a écrit ça? C'est moi. Waouh, t'as du talent. Merci. Et bien sûr, nous finirons l'année avec... School Got Talent! Qui obtiendra cette place tant convoitée sur notre... Wall of Fame! Ça, on le sait déjà. Le vainqueur partira toute une année aux États-Unis d'Amérique! T'en viens tout juste! Alors lancez-vous! Et n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste des participants! Alors, Mini Jack, ce sera quoi cette année? T'arriveras à écrire une chanson ou tu quitteras la scène en plein milieu et en bégayant? Mini Jack? Jack Diamond, c'est mon père. Ce mec était une vraie star, dur à égaler. Au fait, je dois avouer que tu m'as impressionnée. Quelle voix! Merci. Ça m'a inspirée. Non, ça m'a émue. Peut-être qu'on pourrait écrire une chanson ensemble. Ouais. Non. Tu rêves ou quoi? C'est moi la chanteuse de talent ici. Il n'y a pas de place pour une minette de karaoké comme toi. Mi! Au! Tu peux pas m'empêcher de chanter. Ici, c'est mon école. Je peux te faire exister ou te briser. Une fois appliqué, passez vos ongles sous l'eau froide. Au petit déjeuner, vous pouvez prendre du raisin plutôt que des fruits rouges, par exemple. Elle a un pépin de raisin à la place du cerveau. Oh, j'ai aussi une nouvelle géniale au sujet des For You. Ils vont donner un concert super méga exclusif pour seulement 10 fans. Devinez quoi? J'ai 3 entrées! Ok, c'est dommage pour vous. C'est pour ça que je vous dédie ce qui suit. Ok. The things I said, like an eagle, it flew over your head, and it feels we're not in love. Breaking up, it's so hard, but if we stop, we can learn to just be friends again. Franchement, je la trouve ennuyeuse à mourir. Merci. Mais elle chante bien. Ça m'aide pas. Laisse-moi finir, mais pas aussi bien que toi, bien sûr. Ouais, rattrape-toi. C'est bien la concurrence pour rester au top. Et si j'y arrivais pas? J'ai toujours peur de chanter en live. Entraîne-toi jusqu'à épuisement. Allez, t'en es capable. Personne ne t'arrive à la cheville. Alors explose-les. Ressens ta puissance, c'est ton heure de gloire. Si tu crois en toi, alors tout sera possible. Tu te sens bien? Je viens d'avoir une idée pour un vlog sur la pensée positive. T'as carrément raison. Comment faire? Et on remonte. Vous sentez que ça travaille? Faut pas se relâcher. Regardez ça. On serre et on bascule vers l'avant. Ça doit brûler. On refait une série. Hé!
C'est vrai que Daisy Cherry, c'est ta mère? Je la trouve trop cool. Merci. Tu veux savoir ce qui est super cool? Ouais. Et maintenant, on va passer au bras. C'est pas comme ça qu'on lit un livre. Tous les top modèles l'ont fait. Quoi? Se mettre Harry Potter sur la tête? Le livre me fait garder le dos droit. C'est la règle numéro un des top modèles. Et si tu devenais jamais un top modèle? Ben, je serais une Miss. Miss quoi? C'est un titre honorifique, par exemple. Miss Monde ou Miss Univers. Je serais la Miss de ce qui me représente le plus. Miss... Cause perdue. Bon sang. Ce que j'aimerais être à la place de ce livre. Un livre a du sens. Hein? Ça ne convient pas vraiment à une imbécile comme elle. Pourquoi tu vas pas lui parler? Je cherche encore ma phrase d'accroche percutante. Salut. J'avais écrit de super paroles, mais je crois que je les ai perdues. Les paroles de fin? Très marrant. Nick finit jamais ses chansons. Ça y est, j'ai trouvé. Je crois que je l'ai. Écoutez ça. Hé, hey, Jocelyne, t'aurais pas un pansement? Parce que je suis tombé raide dingue de toi. Et je me suis blessé le genou. C'est naze. Ok, j'ai autre chose. Écoutez ça. Hé, hey, Jocelyne, si t'as besoin de plus d'espace de stockage, j'aurai toujours une place pour toi. Sur mon cloud. Non. Non? Non, je te promets. Ok. Tu fais quoi? Une expérience. Oh, ça y est, je l'ai. Hé, hey, Jocelyne, je me suis lancé à la recherche du plus rare des Pokémon. Et mon Pokéradar m'a conduit à toi. Ouais. Pourquoi tu décroches pas? Je suis occupé. T'as réglé mon problème de notes? Le lycée a un tout nouveau système de sécurité. Ça va prendre un moment. Ouais, c'est toi qui l'as développé. Je peux pas me permettre de laisser la moindre trace. Il faut cette note pour vendredi. Sinon, adieu à l'élastique de Jocelyne. Au travail. Non, c'est pour mes cheveux. Les filles, j'ai une surprise pour vous. Pourquoi t'as un livre sur la tête? Harry Potter l'aide à devenir top modèle. Oh, un coach particulier. C'est chic. Et sinon, je vous ai apporté un truc. C'est un vrai Louis. J'économise pour m'en offrir un depuis que j'ai 6 ans. C'est trop génial, j'en crois pas mes yeux. Les initiales là, ça veut dire quoi? Ça, c'est pour vous. C'est super avant-gardiste. Ça a été créé dans des labos en Corée du Sud. Ça régénère les cellules de la peau en à peine quelques heures. Ça a l'air bizarre, y a quoi là-dedans? De la lavande. Et de la peau broyée. Avec ça, vous aurez une peau de pêche comme la mienne. Un cadeau pour notre chère petite princesse. Le Snapchat de l'horreur. J'adore entendre ce son. Quatre générations d'Outcamp ont fini leur cursus dans cette école avec les honneurs. Je ne tolérerai pas que ça s'arrête avec mon fils. Bah, vraiment désolé de te décevoir. Fais un effort au moins, comme essayer de remonter ta note d'anglais. Comment? Tu pourrais essayer d'avaler un dictionnaire. Et si tu te consacrais davantage aux études qu'à soulever des poids dans la salle de sport? Des cours d'anglais? Ça devrait pas être un problème pour celle qui réussit tout. Pourquoi vous demandez pas ça à un vrai professeur d'anglais? Je pense qu'il sera plus réceptif avec quelqu'un de son âge. Je sais pas quoi dire. J'ai cru voir qu'on avait tagué la lettre M sur ton casier. Ouais. Dis-moi, ça te dirait de retourner aux États-Unis? Tout ce que tu as à faire, c'est de gagner School's Got Talent et Wish, t'y retournes. Qu'est-ce que je dois faire? Assure-toi qu'il ait la moyenne en anglais. Si j'aide votre fils à avoir la moyenne en anglais, alors je gagne School's Got Talent? Et tu t'envoleras pour les États-Unis dès la fin de l'année. Mais ce serait de la triche. Tu as peur que ta mère le découvre? Tu pourrais aussi tenter le coup comme les autres, mais quelles seraient tes chances? C'est à toi de choisir. Les États-Unis
ou les Minus. Light pours in through my window. Paint your shadow on the wall. On the wall. Left me feeling like a widow. And your ghost never left at all. Left at all. Justement, je me demandais pourquoi t'étais pas sur la liste. Pourquoi t'as mis ou autre? Tu chantes très bien. Je comprends pas. Ouais, je sais chanter. Mais j'ai un petit problème. Ah ouais? C'est quoi? J'ose pas chanter en public. Ouais? Et? Bah tu vois... Bah? Oh! Ah oui, je comprends. Ouais, c'est le stress, ça. Me fait vomir. C'est pas top de vomir sur les gens. Et si, je t'aidais à gérer ton stress et à vaincre ta peur du public, et toi, en retour, tu m'aidais à finir une de mes chansons? Je sais pas. Dans le doute, faut se lancer, hein. Ok? Cool. La Minus vient de s'inscrire à School's Got Talent. Quoi? Très bien. Trouve-moi ses points faibles. Elle en a peut-être pas. Peut-être que tu liras un livre un jour. Tout le monde a ses faiblesses. La Minus Martens m'énerve de plus en plus, mais je vous jure que ça ne va pas durer. Ok, dans le doute, faut se lancer. Chanter et pas vomir, ok. Aider le fils du proviseur, ok. Allez, je peux le faire. Je vais réussir à monter dans cet avion. Robin? Oh non, c'est une blague. C'est toi le fils du proviseur. Et accessoirement le copain de Claire. Super sexy, populaire, sportif et... T'es là aussi pour les cours? Pas futé. Oh, non! C'est toi qui donnes les cours? Tu comprends vite? Alors, fais ce que tu veux de ce corps. Tu as une heure. Une petite minute. Je reviens. Ok. Est-ce que Claire est au courant? Bien sûr que non, elle est trop jalouse. Ouais. Donc il te faut la moyenne en anglais. Pour l'instant, t'en es où? Il me manque une dizaine de points. T'es carrément nul. Génial. C'est quand tu veux. Vas-y, je suis prêt. Tu comptes... continuer tes trucs? Ouais. Mes chances de faire en sorte que cet abruti obtienne la moyenne sont... nul. Bye bye, America. Nick. Salut, je voulais te faire écouter une chanson pour le concours, si t'es d'accord. Elle a insisté pour s'incruster. Il osait pas venir seul. Allez, entrez. Merci. C'est quoi cette dope que t'écoutes? C'est For You. Je trouve ça pas mal, moi. Si tu le dis. Je suis contente que vous soyez là. C'est mort aujourd'hui. Les bons jours, c'est sous-là. Les mauvais jours, eux, ils restent gravés. J'ai trouvé une super mélodie pour notre chanson. Ah, je risque pas d'oublier cette journée. Je sais, je l'ai pas encore fini. Non, vraiment? J'ai trouvé ça génial. Super beau. Ouais, tout comme les 496 autres chansons que t'as pas finies. Tu devrais peut-être juste en finir une, tu sais. Comme ton père, quoi. Il a fait qu'une chanson. Je veux pas aborder le sujet. Pourquoi? Les Minus n'ont pas de secret pour leur clan. Non, pas ça. Regarde ça. C'est cool ce qu'il fait. Ouais. Ça a une fin surtout. Ça va, j'ai compris. Si t'arrives à faire en sorte que Nick finisse une chanson, alors je m'habille en rose pendant une semaine. Ouais, ça me va.
Eh ben avant, tu portais bien plus de trucs roses. Nick. Quoi? Magenta, alias Anna. Sérieux, c'est toi là? C'est pas une blague? Cette photo a été prise il y a très longtemps, quand ma mère joue encore à la poupée avec moi. Dis, tu voudrais voir une photo encore plus drôle? Ouais. Faut que tu promettes de garder le secret. Bien sûr. Non. Ici. Y a quelqu'un qui a déjà vu Claire comme ça? Y a que nous. Les minis. Nous, les VIP, nous avons une responsabilité énorme. Nous devons toujours être parfaites dans notre style. Et School's Got Talent est la cerise sur le gâteau. Malheureusement, toutes les filles ne peuvent pas être à la fois belles et parfaites. Et c'est la raison pour laquelle vous allez devoir redoubler d'efforts. Mais pour vous motiver, j'ai... des cadeaux. Oh là là, j'adore les grands déballages. Pour ton défilé. Oh, je t'adore. Je vais te customiser. Je vais t'ajouter des broches et des strass. Tu vas être superbe. Pas de customisation. Pour toi. Oh, OMG. Pour ton numéro de kickboxing. Regarde comme ça brille. Allez, faut que tu rentres le ventre. On est encore loin d'être prête pour le School's Got Talent. Mais je sais ce qu'on va faire. On va utiliser Photoshop? Non, des haltères. Voilà, c'est bien. Ok. Allez, prends ça. Ok, c'est parti. Oh, je crois que mes meilleures copines ont besoin d'une petite épilation à la cire. Non. Ça tombe bien. Je possède le produit que les stars vont se disputer. Qui veut se lancer? Elle. Non, non, c'est la grande, non. Mes cheveux n'ont rien à voir avec mes jambes. Elle, elle a de vraies jambes de gorille, regarde ça. Ok, les filles. Dites-moi, pourquoi on fait tout ça? On est le clan VIP. Et pourquoi c'est si génial d'être une VIP? Je vous écoute. Alors, un, les filles rêvent d'être comme nous. Deux, les garçons nous regardent. Et trois, les filles rêvent d'être comme nous. Tu l'as pas déjà dit? Écoutez, seule l'apparence compte. Car la vraie laideur se trouve à... l'extérieur. Bien. Ok, faut qu'on fasse le point. Le point faible de Julia. One... two... three. One... two, three. Avec le... il faut mettre la langue entre les dents. Three. Bon, c'est pas grave. How old are you? I am... Robin. Je viens de demander ton âge. C'est toi, tu rends ça super dur aussi. Super dur? Les tout petits? Ouais. Ceux qui viennent de naître. Les livres, c'est pas mon truc. Sérieux? Hé, je crois que j'ai pris du fessier gauche. Tu veux la moyenne en anglais ou pas? T'as parlé? Robin est très mauvais en anglais. C'est pour ça que tu es là? Je pense pas avoir été claire. Il est vraiment, vraiment très mauvais. Alors tu n'as pas de temps à perdre. Hé, hey, je voulais savoir, tu voudrais pas être la fin parfaite de ma chanson? S'il te plaît. C'est ça que tu veux lui dire? Ouais. Tu devrais le travailler un peu plus. Tu connais quoi aux phrases d'accroche? C'est pour qui d'ailleurs? C'est une fille, douce, très drôle, et belle. Jocelyne est à moi. Et Maline. Oh, ok, c'est cool. Attends, j'ai la phrase qui pourrait être parfaite pour toi. Ok. C'est bien parce que c'est toi. T'es prêt, mon pote? C'est parti. Pourrais-tu me rencarder sur les méandres de ton amour? T'as pigé? Non, le rencard. Oui, c'est la bonne. Il faut que tu la notes. Je suis sûr que tu vas assurer avec ça, mon pote. Julia, pourrais-tu me rencarder sur les méandres de ton amour? Pourrais-tu me regarder sur les méandres de ton amour?
Salut. Salut. Ça va? Ouais. Pourrais-tu? Je pourrais quoi? Pourrais-tu me rencarder? Te rencarder? Sur les méandres? Quoi? Ça te dirait de faire un truc marrant? Ouais. Ce serait chouette. Mais... Mais? Je peux pas. Ok. Il faut vraiment que... J'aide Robin à obtenir la moyenne pour pouvoir gagner School's Got Talent et repartir aux États-Unis. Je déballe les cartons qui restent. J'ai dit ça? Ouais, je comprends. À demain. Ok. Ouais. Je suis contente de voir que t'as ouvert ce livre. Je vois pas du tout de quel livre tu me parles. Ah. Pourquoi tu t'entraînes comme ça? C'est quoi le but d'avoir toujours plus de muscles? J'ai une compète ce week-end. L'Arm Wrestle Mega Challenge. Ça, tu sais le dire. Opération convertir cette force en intelligence. Chaotique, j'ai fait une sérieuse avancée vers mon billet pour les États-Unis. C'est bon, on continue. C'est pas mal du tout. If... Je me disais, et si on inversait les phrases? Hold me close, let me go, don't let me go. If you let me... Tomber? Fall? Fall? Fall. How will I know you'll ever hold me close? If you'll never let me go, if you'll let me fall. Garde les yeux fermés, on y est presque. Okay. On va monter quelques marches. Ouais. D'accord. Juste là. C'est bon. Ok. Prête? Je crois. Ouvre les yeux. Et ben comme ça, tu pourras t'entraîner. C'est très gentil. Mais après, je serai face à un vrai public. Attends voir. Ferme les yeux. Imagine, tu es sur une vraie scène. Choisis une personne dans le public et ne chante que pour elle. Fais comme s'il n'y avait personne d'autre. Tout ce que tu as fait, c'est de gagner School's Got Talent. Et oui, tu retournes. Il faut que tu lui dises. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a?
paix, Mini Jack. Oh, papa, qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas te le dire, c'est un secret. Non, je me disais que vous avez peut-être besoin des conseils d'un pro. Tu parais que t'es la charmante Julia, hein? Bonjour, monsieur Damon. Ah, appelez-moi Jack. Star du rock avec un fan club rempli de vide. Et également, ancien élève de ce lycée. Papa, j'ai pas besoin de tes conseils. À ton âge, quand j'ai eu ma première guitare, j'ai vite compris que savoir jouer, ça faisait pas tout. Le plus important, c'est de faire plaisir au public. Face au public, vous avez jamais eu peur? Oh si, j'ai fait dans mon froc. Moi, c'est pas tout à fait ça. Tu vomis? C'est à cause du trac. Ça me connaît, allez, ferme les yeux. Nick a déjà essayé. Contente-toi de fermer les yeux. D'accord. Ok, donc t'es sur scène. Tu sens les planches sous tes pieds? Imagine le public. Tu l'as vu, le gros type, là? Et ce jeune couple au premier rang? Ouais. Imagine que le public, que tous ces gens sont à poil. J'aurais dû m'en douter. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Tu peux t'en aller. Oh, les jeunes, vous avez vu ça? Right Here Baby a été remis en vente. Right here, right here now. Right here. Tu ne t'approches pas de cette Minus, ok? Ma chérie, faut pas t'en faire. Elle m'aide en anglais, rien de plus. Ah ouais, t'es sûr que c'est pas en anatomie? T'es trop mignonne quand t'es en colère. Ça y est, j'ai découvert son point faible. Que je vais introduire comme présentateur du concours School's Got Talent n'a pas besoin d'être présenté. Voici Jack Damon! Ce gars est une vraie légende vivante. Il ne fait pas les choses à moitié. Son talent, son énergie et son jeu de jambes. N'essayez pas de l'imiter. Right here, baby! Je suis vachement honoré de présenter School's Got Talent. Je suis aussi très fier que mon propre fils et Julien Martens et pris la décision d'y participer. J'ai vu qu'il y avait de la compétition, alors le vainqueur devrait être extrêmement talentueux. Ouais. Merci, Jack. C'est vraiment très gentil de votre part. À présent, je sais que certains d'entre vous n'arrivent plus à dormir tellement ils se demandent quelle sera ma performance cette année, hein? Quelle chanson va-t-elle chanter? Qu'est-ce qu'elle va porter? Et pour ses cheveux, chignon, gueux, tresse, grande question. C'est pourquoi je me suis dit que l'un d'entre vous aura la chance de décider de ce que sera ma coiffure. Julia Martens, tu es la petite chanceuse. Viens vite me rejoindre. C'était une blague. Personne ne s'immisce entre moi et ma coiffure. Mais on va quand même s'amuser. Et si tu nous proposais en avant-première un petit bout de ta chanson? Tu vois que je te laisse une longueur d'avance. Essaie de ne pas venir partout. Et tout de suite, Julia! Oh. Moi qui pensais qu'elle allait donner le meilleur d'elle-même. Tiens, voilà des fringues. T'as rien trouvé de mieux? C'était ça ou ça? I used to be the Mona Lisa hanging in your gallery. I used to be the one you yearned to see. J'abandonne. Ah, tu en es sûre? On a passé un marché. Et tu vas le tenir. Mais Julia, où est-ce que tu vas? N'importe où, loin d'ici. Personne m'apprécie. Et moi, je compte pas.
Ça me ferait pas plaisir que tu partes. C'est vrai? Ouais. Je crois que c'est la chose la plus gentille que j'ai pu dire à quelqu'un. Je le pense vraiment. C'est sympa. Tu veux faire un truc cool? Ouais. Ok. Viens. Boire un smoothie, c'était vraiment une super idée, merci. Et si c'est pas suffisant, on aura toujours ça pour rigoler. Bonjour, vous avez choisi, s'il vous plaît. Ce sera... Hey, on passe les commandes. Lucas? For you? Le groupe au complet? Du calme, c'est qu'un boys band, rien de plus. Ça va aller, il suffit de sortir la phrase parfaite. Allez, parle musique, dis quelque chose d'intelligent. For you? J'ai pas dit ça. Allez-y, commandez, c'est ok. C'est que j'adore les for you, les smoothies. Salut. Salut. Si vous avez un concert, vous pouvez passer avant nous. Tu nous connais, c'est cool. On est en train d'enregistrer de nouvelles chansons, là. Et elle fait de la musique aussi. Ah ouais? Ouais, mais elle a de bonnes chansons. C'est quoi ton nom? Ok. Ça me plairait d'écouter ce que tu fais. Ouais? Carrément. J'ai posté quelques chansons sur YouTube. Julia Martens. C'est moi qui les écris. Julia Martens. J'ai acheté un œil alors. Un petit cadeau. Merci. Ma journée était vraiment nulle. Avec ça, tu viens de tout changer. Je trouve ça saoulant, une bonne journée, alors que les mauvais jours restent gravés. Ciao. Oh. Faites des jaloux en mettant des photos parfaites sur Instagram. Instagram. Peut-être que la vie super populaire que je mène peut tout à coup devenir la tienne. Populaire. Rendez votre vie merveilleuse. Sérieux, je vous assure, ça me donne envie de vomir. Un tuto sur comment devenir populaire. Je préférais voir un tuto sur comment embrasser correctement. Mais pas là-dessus. Hein? T'as jamais embrassé quelqu'un? Non. Il y a quelque chose de mal à ça? Non. Bien sûr que non, c'est juste que... Tu l'as vraiment jamais fait? Ce qui est dingue, c'est qu'elle et la moitié de l'école croient que c'est ça, la marche à suivre. Pas moi. Moi non plus. Oh, bah moi encore moins. Et si tu mettais les fringues que tu veux? Le maquillage que tu veux? Faire ce que tu veux. Arrête de suivre mes fashion conseils et mes règles de maquillage. Sois un minus. Tu veux des photos parfaites sur Instagram? Tu préfères le... Snapchat de l'horreur. Sois un minus. Donc, n'oublie pas. Les garçons vont vous adorer. Reste toi-même, c'est tout. Reste toi-même. Reste toi-même. La vie est déjà très belle. Viens avec nous et dis au revoir au clan. Je suis super jaloux de la popularité qu'ont les minus. Qui est donc Daisy Chérie Minus? C'est moi. Faut que je vous dise, grâce à vous, j'ai ouvert les yeux. Maintenant, je vais être moi-même. Bienvenue. Ouais. Le M de Minus se retrouve absolument partout. Sur les murs, sur les sacs, je l'ai même là sur ma veste. C'est une invasion, c'est dingue, c'est... Il reste quand même des exceptions. J'abandonne. J'en peux plus de ce marché. C'est pas juste. C'est pas moi. Donc, tu vas rester une Minus jusqu'à la fin de ta scolarité? Oui. Et sachez que j'en suis fière. On va faire en sorte que t'aies la moyenne. Peu importe ce que dit ton père, ou Claire, ou qui que ce soit. Je vais t'aider sans aucun compromis. Tu te sens prêt? Je te demande si t'es prêt. Yes. Ok, I read. I read. I have been reading. Ça n'appelle qu'une chose. Des gâteaux? Non. La vengeance. Et si tu mettais les fringues que tu veux? Le maquillage que tu veux? Faire ce que tu veux? Sois un minus. Tu veux des... Chaussures. Sois un minus. Donc n'oublie pas. Viens avec nous et dis au revoir au clan. Clan, 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 clan. Les minus. Ça n'appelle qu'une chose. On se venge? Oh ouais. Au
fait, qu'est-ce que tu comptes porter pour le concert privé des For You? J'ai trouvé ce que je vais porter. Du Gucci. Lucas ne va pas en revenir. Tu ressembles vraiment à ta mère, tu sais. Arrête! Quoi? T'en vas pas. Tu t'y connais en écran géant? Les écrans géants? C'est ma spécialité. C'est confortable. C'est super. Et comme ça cache bien les poils, plus besoin de s'épiler. Tu t'es pas lavé les cheveux aujourd'hui? Du tout, non. Pas depuis 2 jours, mais il y a pire. Est-ce que tu vas au concert privé des For You? Parce qu'à ta place, j'éviterai d'y aller, tu vois. Tu ferais mieux de rester chez toi. Moi, j'y serai. Ciao. Tu sais hacker des caméras de sécurité? Non, désolé. T'as dit caméra de sécurité? C'est ma spécialité. Tu as là absolument tout ce qui s'est passé dans le bureau du proviseur ces 6 derniers mois. L'élastique. Merci. Salut! Merci de regarder ce nouveau vlog. On va faire un truc cool aujourd'hui. On va assister au concert des For You. C'est un concert privé. Après, on aura la chance de les rencontrer. J'ai vraiment trop hâte, ça va être top. Allez, c'est là, c'est parti. I can't wait to feel the change. Pressing my heart against yours. Fire and rain, we'll take it all. C'est une super mélodie que t'as là. T'as déjà le titre? Who knows? Et c'est fini? Pas encore. On y travaille avec Julia. Cette fille a vraiment une voix incroyable. Ouais, je sais. Le concert était vraiment super et maintenant... Ils sont tous les quatre autour de moi. Lucas, j'ai cru comprendre que t'avais un scoop pour nous. Ouais, sachez tous qu'on vient de décider que les For You étaient aussi des Minus. Vive les Minus! Ouais! Ça te dirait de retourner aux États-Unis? Ouais. Tout ce que tu as à faire, c'est de gagner Skull's Got Talent et Wish, t'y retournes. Qu'est-ce que je dois faire? Assure-toi qu'il ait la moyenne en anglais. Non, regarde, là, ça fait trop. Chers élèves, ceci est un vlog en direct très spécial. J'ai une mauvaise nouvelle. Il y a un traître parmi nous. Quelqu'un qui est en train de saboter School's Got Talent. L'administration, les élèves et même ses propres amis n'ont été que des marionnettes pour elle. Je vais vous montrer un extrait vidéo. Son contenu pourrait vous choquer. J'ai cru voir qu'on avait tagué la lettre M sur ton casier. D
Dis-moi, ça te dirait de retourner aux États-Unis? Ouais. Tout ce que tu as à faire, c'est de gagner Skulls Got Talent et wish, t'y retournes. Qu'est-ce que je dois faire? Assure-toi qu'il ait la moyenne en anglais. Si j'aide votre fils à avoir la moyenne en anglais, alors je gagne Skulls Got Talent? Et tu t'envoleras pour les États-Unis dès la fin de l'année. Instant larme. J'ai moi aussi été victime de Julia Martens. C'est terrible d'attaquer quelqu'un sur son physique. Nous avons tous du talent. Mais à quoi bon? Puisque Julia va gagner, de toute façon. J'avais déjà annulé cet accord. C'est moi. J'ai fait un truc vraiment stupide. S'il te plaît, rappelle-moi. Vous êtes sur le répondeur de Nick. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Nick, je te demande pardon. Still hear your voice inside my head. And it cuts like broken glass. And we can't take back the fatal words we said. But I still love you. Attends. S'il te plaît, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais, là? Nick. Je voudrais qu'on parle. Ben parle, vas-y! Je comprends que tu sois fâchée. C'était une super conversation. Je suis désolée d'avoir tout gâché. Je veux que tu participes à Skulls Got Talent et que tu joues notre chanson. Notre chanson? Tu veux dire encore une chanson qui n'a pas de fin, comme toutes les autres? Je sais à quel point ça compte pour toi. Tu m'as menti. To be or not to be? That's the question. Je suis passé haut la main. J'ai eu 15. J'arrive pas à y croire, mais on a réussi. C'est génial. Tout ça, c'est grâce à toi, Mademoiselle Minis. Te sous-estime pas. Pourquoi t'as accepté l'offre de mon père? Parce que je voulais rentrer chez moi. Retrouver les États-Unis et mes amis. Tu me crois si je te dis que j'ai annulé cet accord il y a bien longtemps? Évidemment que je te crois. T'es ma prof d'anglais. Et malgré tout, t'as continué à m'aider. Pourquoi est-ce que t'as rien dit? Je crois que j'espérais que tout ça passe à la trappe. Mais ça n'a pas été le cas. Je suis très fière de toi. J'espère que tu comprends que les images que tu as divulguées me causent du tort. Je ne voudrais pas perdre mon emploi à cause d'une guéguerre entre Julia et toi. Que pourrais-je faire pour me rattraper? Tu vas détruire ces vidéos. Et si je refuse? Alors je m'assurerai que tu ne gagnes pas Skulls Got Talent cette année, tu as compris? J'ai eu mon année grâce à Julia. Ouais. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle retourne vite fait aux États-Unis. Attends, tu savais qu'elle avait continué à m'aider, même après avoir annulé l'accord? C'est elle qui a dû te dire ça. Et toi, tu l'as cru. Et je te rappelle qu'on a tous vu les enregistrements. Et qui nous les a montrés, hein? Claire aurait très bien pu les trafiquer. Qu'est-ce que tu proposes? Il faut qu'on aille jeter un œil à cette vidéo. Ah!
tous, on y est. Plus qu'une heure avant le lancement de Schools Got Talent. Pour ne pas rater un seul instant du concours, je vous conseille de bien rester connecté au vlog. Ça va être génial. Hey, salut, ça va? Pas génial. J'ai trop hâte d'entendre Who Knows. Ce soir, c'est le grand soir, non? Tu dois trépigner. Enfin, je voulais te souhaiter bonne chance. Y a pas de grand soir. Nick veut même plus me voir, alors. Pourquoi? Parce que je suis stupide. J'ai menti. Au garçon qui me plaît. Explique, c'est pas clair. J'avais passé un accord avec le proviseur. Si j'aidais son fils en anglais, je remportais Schools Got Talent. Et maintenant, personne ne me croit quand je dis que j'ai annulé l'accord il y a longtemps. Et donc? Rien. Attends, Julia. Tu vas abandonner ou t'es une battante? Une battante? Il faut à tout prix que tu parles à Nick et que tu lui ouvres ton cœur. Ouais. Comment je fais ça? Chante pour lui. Tu dois aller chanter ta chanson au Schools Got Talent. Alors là? Tu veux pas qu'il sache ce que tu ressens vraiment? Si, bien sûr. Alors habille-toi, on arrive. Quoi? Maintenant? Ça y est, le moment que vous attendiez est enfin arrivé. La meilleure soirée de toute l'année scolaire est tout juste sur le point de commencer. Je t'en prie, dis-moi que c'est pas vrai. Si, Julia m'a lâché. Dégoûté. Mais ça fait 10 mois que tu répètes, enfin. Il faut au moins que tu finisses une chanson, je sais. Parfois, il faut savoir donner une deuxième chance pour que les choses s'arrangent. J'ai rien fait de mal, moi. Ça, c'est pas une excuse. Je vais pas y aller. T'es une version améliorée de moi. J'aimerais que tu l'oublies pas, d'accord? Voici notre présentateur, Jack Diamond! Et ça va envoyer avec du karaté. À toi, Esme. Directement relié à un disque dur. Si j'ai raison, ça devrait se trouver dans un placard. On y va. Magenta, le placard dont tu parlais, c'est un coffre.
Et maintenant, allez, prêt. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais casser la baraque. Tu t'y connais en coffre-fort? C'est ma spécialité. Salut Swan, désolé mais c'est pas le bon moment. Allez, dépêche. Oui, oui, j'arrive. Désolée, je vais vomir. Enfin, je veux dire, je vais chanter. Wouh, j'y crois pas. Oui, j'y vais, ok. À l'heure, c'est la clé dans le show business et en amour. Je sais. Souhaite-moi bonne chance. Salut. Ça y est, tu te sens prêt? Ouais, c'est parti. J'aimerais remercier le jury pour la justesse de son jugement. Ils ont vu le vrai talent parmi tous les candidats. Claire, tu passes en dernier, dans deux numéros. Ok. J'ai trop hâte d'y être. Accrochez-vous les gars. Avec le logiciel que j'ai créé, je peux ouvrir tous les coffres forts que je veux. Et donc ça va prendre encore longtemps? Quelques heures, je dirais. Quoi? Mais t'es fou. Transforme ces heures en minutes. Ok, pas de soucis, je vais le faire. Prends une carte! Montre-la au public. Et un, deux, voilà ta carte! J'avais pas dit que les coffres forts c'était ma spécialité. Ouais, et comment on fait pour voir les images maintenant? On m'a déjà demandé la même chose. C'était clair? Ouais, elle voulait que je récupère ce qu'il y avait. Et que je détruise tout. Attends une seconde. Ça veut dire... que le disque dur est vide. Quoi? Et pourquoi tu ne l'as pas dit avant? C'est le proviseur qui voulait que tout soit détruit. Elle m'a demandé de le faire. C'est pas vrai. Mais... ce qu'ils ignorent, c'est que tout ce qui est enregistré au lycée est immédiatement stocké sur le cloud du lycée. Laisse-moi deviner. Le cloud du lycée, c'est ta spécialité? Bah, évidemment. Admirez le pro. Accueillons à présent Jocelyne. Si je gagne School's Got Talent, je m'engagerai pour la paix dans le monde. Auprès des gens défavorisés et aussi des plus démunis. Je veux qu'il y ait de l'amour pour tout le monde sur cette planète. Et des créateurs de mode. C'est à toi. Allons gagner. Il est temps d'accueillir une dernière chanteuse. Alors je vais vous demander d'applaudir bien fort Claire Hagdorn. The first time I saw you, I crumbled before you. Felt such a fire inside. I knew I was falling, that look in la dérivation. Allez, vas-y, j'y suis presque. J'y suis, ça y est. J'en peux plus de ce marché. C'est pas juste. C'est pas moi. Donc, tu vas rester une minus jusqu'à la fin de ta scolarité. Oui. Et sachez que j'en suis fière. Il faut qu'on passe ça sur l'écran géant.
me chanter. Il y en a au moins un que ça intéresse. C'est à toi de jouer. Avoir la moyenne en anglais, alors je gagne School's Got Talent. Et tu t'envoleras pour les États-Unis dès la fin de l'année. Mais ce serait de la triche. Tu as peur que ta mère le découvre? Tu pourrais aussi tenter le coup comme les autres, mais quelles seraient tes chances? C'est à toi de choisir. Les États-Unis ou les Minus? J'en peux plus de ce marché. C'est pas juste. C'est pas moi. Donc, tu vas rester une Minus jusqu'à la fin de ta scolarité. Oui. Et sachez que j'en suis fière. Tu vas le regretter. Allez, monte sur scène. Choisis une personne dans le public et ne chante que pour elle. Who knows if the way I move is good enough?
Talent qui cartonne en ce moment, For You! Voilà ton billet pour les États-Unis. Ouais, mais on partira ensemble. Et on en profitera pour écrire plein de chansons. Magenta, ça te dirait qu'on sorte ensemble? Tu pas ma pleine. Cette année, sérieux, c'était dément et je vous remercie de nous avoir suivis. Alors je vous dis à l'année prochaine. Je me sens chez moi ici, c'est un pays super. C'est là que vivent Magenta, Nick et tous ces clans complètement cinglés, sans compter tous les autres. Être chez soi, c'est se sentir bien. Ça peut être n'importe où. Il n'y a qu'une seule façon de se sentir bien. Être soi-même. Try to put it in a song to let you know what's going on. Easier to be facing you when I've got time to think it through. Oh, I know I got my flaws, make you crawl right up the wall. But I hope someday it'll be worth it to be. Against the wind, your heart is beating faster than the speed of life. Just trying to find your way back home. You feel so fragile in your bones. Who's gonna catch you if you fall out of the sky? Those voices echo in your head, echo in your head. The volume is turned up all the way to 10. You're gonna paint those gray skies fire red. You're stronger than.